messieurs, en direct des studios de Live TV, toujours plus proche des jeunes artistes les plus talentueux, toujours prêt à partager son humeur, son enthousiasme et sa joie de vivre, je vous en prie, chers Wamiens et Wamiennes, apprêtez-vous à faire un tonnerre d'acclamations, un tonnerre d'applaudissements pour notre Willy Dembo de Kumasi. Il a des locks, il est prêt. Ouais. Tu es prêt, Willy? Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. On voit pas tes trucs quand tu dis Willy Dembo de Kumasi. C'est que tu dois avoir joué, tu peux montrer ça aux gens. C'est important. Mais Yann, vas-y, viens. Yann, j'aimerais qu'aujourd'hui, là, on dit c'est un WAM spécial mouvement des enfants. Tu as prouvé que tu étais prêt en musique orientale. Tu as prouvé que tu étais prêt en coupé décalé. Tu as montré ta valeur en zouglou. Mais on veut savoir, est-ce que tu es prêt aussi pour mouvement des enfants? Ben, ça, il s'agit de rap ivoire. Est-ce que tu es prêt? C'est comme rien. C'est comme rien. Si elle demande à Willy l'araignée de nous envoyer un beat, tu peux déchirer. Tu es sûr? L'araignée, on va le tester sur place maintenant. On voit quelque chose là-bas. Ben, l'enfant, il a trop bouche. Tiens. Hey! Aloko! Hey! Tu connais? Booba Ding, marchand de flingue, tu me prends pour un dingue. Moi ici, bling bling, toi tu connais. C'est Bozon, allez là qui tape. Et Epo, c'est quoi? Niaoré, Koumandi, Swatina, Eyoba, tu connais? Hey! Dokunu, Aloko, Dokunu, Aloko, Togo, Ben Dome, Loko, Dokunu, Loko. C'est bon, non. Mais nous avons convaincu la Wamé, on se calme. On se calme, je ne suis pas un géré parce que Yann ne m'a pas convaincu. On te dit non, mouvement des enfants, tu viens, tu fais chaud. Tiens, voyons, envoyé mon gars ici pour me venger. Hein. Oh. Landry Blessing, remonte, rejoins-moi ici. On fait du bruit pour Landry Blessing, les esprits, s'il vous plaît, c'est important. Voilà, Landry, tu es le créateur du concept poids-poids. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est en mode poids-poids. Et on compte sur toi pour prouver que tu es prêt aussi pour mouvement des enfants. Parce que le jour aujourd'hui dans WAM. Vas-y pour le beat, l'arrière. Yeah. Je m'énorme et l'André Blessing, la voix rebelle et mélodie. Tout le monde est yo. C'est le mouvement des enfants. Tout le monde applaudit son équipe pour danser. Yeah. Oui, Abili, midi. Yeah. On va danser. Tout le monde applaudit son équipe pour danser. Hey, mouvement des enfants là. Mouvement des enfants là. Hey, mouvement des enfants là. Mouvement des enfants là. C'est chaud. Mouvement des enfants là. Mouvement des enfants là. Hey, toi tu manges pas que fou. Lui manger quoi quand il chaud. Allez, tic cocota. C'est qui t'a dit cocoto? Hey, mouvement des enfants là. Attention, c'est chaud. Tout le monde, hey, mouvement des enfants là. Mouvement des enfants là. Chaud, mouvement des enfants là. Mouvement des enfants là. Attends. Tu sais très bien que Willy n'aime pas ce que vous êtes en train de faire là. Non, mais au-dessus là, c'est le mouvement des enfants. Non. À la réunion, on a dit ça. Willy n'aime pas ça. Donc, je suis dans un problème comme ça. Il dit, faut dire au gars du son. Ouais. Le son qu'il a choisi pour son entrée là. Ouais. C'est qu'il t'a dit à la réunion. Ils n'ont qu'à caler ça en même temps. Mais attends, est-ce que c'est un problème? Dis à l'ingénieur lumière de mettre la lumière du WAM acoustique. Willy arrive, hein, et vous dit en même temps. Pardon, ingénieur lumière, David, mets la lumière de WAM acoustique là. Yann, fait mon roi avait me frapper ici. Pardonnez le son, envoyez, il est sorti, il prend ma place, pardonnez. Normalement. Voilà, remettez cette musique là, mais elle a appelé dessus. Pardonnez aujourd'hui là, c'est son jour. Voilà. Yeah. Ok. Yeah. You know what it is, man. This is really pop coming through right here.
live from Live TV Stadium. Receive my man, the unbreakable, the unstoppable, the invincible, Willie Dumbo. Personne ne veut laisser l'affaire être trop sérieuse. Ça a pris tout le pays. Alors là, arrêtons de nous voiler la face, les amis. C'est le mouvement des enfants qui est dans la mode. Moi aussi, je ne pouvais pas laisser ça passer comme ça, les amis, n'est-ce pas? Ouais. Ils seront là tout à l'heure. Il y aura Doupi Papillon du bruit. Il y aura Nuku Loba. Et il y aura surtout mon petit Toumal. Il y aura aussi leurs amis rappeurs. Des jeunes dans l'air du temps qui ont accédé, bien sûr, à la popularité grâce à la magie des réseaux sociaux. Yeah, yeah, yeah. Et puisqu'ils ne s'intéressent qu'à la nourriture, Apoutchou Sans Filtre a prévu aujourd'hui de nous proposer une sauce baouin revisitée par les soins de son pote Langri, un jeune passionné de cuisine. En attendant la famille de découvrir cette nouvelle version du baouin avec Fabrice Indé, je vous rappelle que pour un midi chic, classe, pour les enfants et surtout réussi, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willie Dumbo et né pour réussir sur Live TV, la TNT Midi, c'est mon heure et c'est l'heure du mouvement des enfants. Les esprits, bienvenue. Les esprits, commençons par la famille. Wouh! Et cousin, cousine ou pas? Ouais, t'es malade, gagne, bro! Ouais, ouais, t'es malade, gagne! Wesh, wesh, t'es malade, gagne! Wesh, wesh, t'es malade, gagne! On se lance avec la cagnotte du jour maintenant. Vous connaissez déjà le principe. Appelez au 27 22 54 98 50 ou le 27 22 54 98 51 et tentez de repartir avec la cagnotte du jour qui, elle, est fixée à 50 000. Appelez les amis, mais avant que vous n'appeliez les amis, je fais venir mon premier poteau ici. Et je le kiffe, ce cousin-là. Il a démontré tout à l'heure avant mon arrivée qu'il était très, très polyvalent. Il est passé du Ndombolo, en passant bien sûr encore la famille, par le coupé décalé. Et il vous a montré que c'est un ancien rappeur. Hey yo, cousin Landry, come on, bro. Yeah, bro. Wesh, nigga. Ça va, cousin? Est-ce que ça va? Ça va, cousin? Nous sommes aux États-Unis. Yeah. Ok. Yo, yo. Oh, bouillon, bouillon, bouillon. Attends, brrr, coupez la musique là, poteau. Coupe la musique là. Hey, Joe, cousin, qu'est-ce qu'il y a là? Hey, tu me la balances, hein, cette musique là, toutes les fois qu'on doit aller à la pub ou bien qu'on revient de la pub ou bien alors qu'il y a un invité qui vient, tu me la balances. Mais non, pas besoin de celle-là aujourd'hui. Willy, ouais. Tu m'as mis un beat tout à l'heure hip-hop là. Est-ce que tu peux le remettre encore s'il te plaît? Le mec il va s'en gérer là-dessus là. Ouais, ouais, ouais. Wesh ma gueule. Grigiti Pé. Eh cousin, ça va ou pas? Ouais, ça va, ouais. Yeah, easy. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Yo, 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 yo
Slay Slay, on te bonyan, Olivier. Bonyan. Angelo, le doyen le bon bonyan. Bonyan. Momo, Momo, ah, on te bonyan. Bonyan. Akissi, yo yo yo, ah, on te bonyan. Bonyan. On te bonyan, Thierry, Thierry, bonyan. Bonyan. Nicolas, ya ya ya, on te bonyan. Bonyan. Félicien, 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 ah, on te bonyan. Yo yo yo. Gege David, bonyan, bonyan, bonyan. Yo yo yo. Et Lewis, Lewis, c'est lumière. Yo yo yo. Oui, hey, on te bonyan. Yo 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 yo. Yo yo yo. Mouvement des enfants, là, dans son dangereux. Yo yo yo. Hey, cousin, la première qui nous appelle, elle appelle le Yopougon. Yes. On l'appelle Marie-Estelle. Marie-Estelle, du bruit pour elle, les gars. Ici. Hey, Marie-Estelle, comment ça va, cousine? Je vais bien, monsieur. Est-ce que ça wam chez toi, ma cousine? Cousine? Oui, ça wam. Yeah, easy, ça wam chez elle. Hey, cousine, dis-moi, raconte un peu ta vie, raconte un peu ta life. Qu'est-ce que tu fais dans la life, cousine? Dis-moi. Tu je suis étudiante. Étudiante, tu fais quoi? RHCOM ou quoi? Tu fais quoi, cousine? Mathématiques. Quoi ça? Tu fais quoi? Tu fais quoi, cousine? Mathématiques. Mathématiques. Oh, ça, oh là là là. Les maths et moi et la vie de Pythagore, franchement, ça, ça gagne pas, frère. Allez, wesh, cousine, je te donne le premier indice. Si tu le dégotes et tu trouves ce qui se cache dans ma boîte, je t'offre la cagnotte de 50 000 francs. OK, cousine? Allez, okay. Le premier indice, ma cousine, c'est silence. Silence. Je pense à des bouchons d'oreilles. Tu penses à des bouchons d'oreilles, cousine? Alors, cousine, là, nous, on adore le son, on peut pas se boucher les oreilles, là. T'as tapé un gros poteau, rappelle-nous, vas-y, scra! Yo, 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 yo! Yeah! C'est bien, je vais boyant! Ça va, je crois. Gros, vas-y, dis-nous, t'es dans quel bled là? T'appelles de quel bled, cousin? Wesh, wesh, moi je suis du 9-3 là, Koumassi. Ouais, yes, ouais. Vas-y. Là, tu es de Koumassi. Ah, t'es de Koumassi aussi? Ouais, ouais. Ah, oh, ouais! Hé, cousin! Hé, cousin! Wesh, dis-moi, c'est quoi? C'est quel côté de Koumassi, wesh, cousin? Koumassi, feu de Yati. Ah, ok, d'accord. C'est pas loin du carrefour, du marché là, n'est-ce pas, frère? Ouais, c'est ça, mais. Yeah, je suis le maire de Koumassi. C'est le bled, frère. Ouais, c'est le bled, frère. Allez, dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Parle-moi un peu de ta life, frère. Bah, je suis comptable. T'es comptable? Ouh, cousin, tu m'intéresses, toi. Hé, cousin. Hé, cousin. Ouais, c'est ma gueule. Toi, t'es comptable, tu m'intéresses, toi, frère. Moi, je veux dépasser l'empire de Pilili, je veux dépasser aussi l'empire de Booba. Ah, scrrr. Ouais, c'est clair. Allez, cousin, dis-moi. C'est l'oseille, hein. Yeah, c'est l'oseille, frère. On est là, on taffe pour l'oseille pour mettre la mer à l'abri du besoin. Yeah. Allez, cousin, le premier indice, c'est silence. Tu penses à quoi, cousin? Vas-y, c'est le mouvement des enfants, là. Tu trouves ta 50 colos, là, tout de suite. Vas-y. Ici. Ok, super. Vu que c'est le mouvement des enfants, je dirais une tétine. Tu penses à quoi? Il a dit une tétine. Vu que c'est le mouvement des enfants, je propose une tétine. Tu penses à une tétine? Ouais, ouais. Hé, cousin. Ouais. Cousin. Je sais pas où tu dors, toi, mais laisse-moi te dire ton mot d'hier d'abord. Merci, Willy. Willy, en mode méchant, méchant. Allez, allez. Vends-moi. Allez. Ton mot d'hier. Ton mot d'hier. Poto. Ton mot d'hier. Ton mot d'hier. Il dit c'est réciproque, frère. Ton mot d'hier. Ton mot d'hier. Réciproque. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui balance tout. Ben, ce merde. Ce mec-là, wallahi. On va l'attraper, frère. Mini, attends, mini pourquoi quoi? Non. Mini pourquoi quoi? Alors, c'est deux maintenant. Voilà, là, les enfants, mini pourquoi quoi? Cousin. Cousin, tu sais quoi? T'as trouvé, cousin. Méchant, méchant.
Saint-Étienne, ma belle. Cousin, arrêtez-moi ces applaudissements d'hypocrite là, cousin. Ouais. Je t'avais même pas livré les deux autres derniers indices et puis tu as trouvé. Le deuxième indice c'était pratique, le troisième indice c'était remplaçant. Au cas où maman elle était fatiguée de se faire têter le sein comme ça tout le temps par un enfant vieux. C'est le mouvement des enfants. Hein. Mais comment t'as fait pour savoir que c'était une tétine? Ah cousin, vas-y gros là, t'es un sorcier toi. Hier j'avais l'information, lorsque tu as dit sinon, pour fermer la bouche là, sûrement hein, c'est la tétine hein. T'avais l'information hier? Ouais, T'as quelqu'un qui travaille ici à Life? Aucunement. Toi, je te soupçonne toi. Je te soupçonne toi. T'as Koumassi en plus. Comment? Allez frère Guillaume, on fait du bruit pour Guillaume. Hey, cousin. Tu pourras revenir ici demain, ramener ta tronche ici demain à partir de 10h. Et tu passeras en direct pour récupérer ta thune, frère. Bravo. Vas-y, au calamar. Yo, 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 yo. Je bonne, Ibe, pêche, la pêche de ça. Yo, yo, yo. Je bonne, pognon, Jean. Yo, yo, yo. Je bonne, cadeau. Yo, yo, yo. Cousin, attends, stop tout là. Désolé. Stop tout là. Cousin, moi, je commence à en avoir marre. Je suis en train de perdre beaucoup d'oseille, là, frère. C'est pas normal. Mais vas-y, je laisse toujours la boîte en bas ici. Et quand on vient, ça fait même pas 3 jours, même pas 2 jours, qu'il y a quelqu'un qui appelle et qui trouve ce qui se cache dans la boîte. C'est pas normal, là. Ça, c'est pas on vrai. Peut plus faire confiance ici ou pas? Non, c'est pas normal, ça. Faut qu'on trouve la top ici. Maintenant, vas-y, hein, moi, je récupère ma boîte. Yeah. Je l'enfouis dans mon sac et je go avec à la maison, frère. C'est mieux. Parce qu'on a trop, peu. Oh, tu m'arrêtes ça, s'il te plaît, là. Hein. Balancez la pub, là. Ok, chaud. Et la famille, on est de retour. Yeah, easy. Quel plaisir d'être votre compagnie aujourd'hui. Nous sommes mercredi. Mercredi précisément le 13 octobre 2022. 12 octobre, autant pour moi, que dis-je, wesh. Eh Willy, cousin, qu'est-ce que ça là? Il faut toujours sécher avant de fumer, là, frère. Allez, la famille. Vous le savez tous, on le sait tous, les amis. Désormais, le mois d'octobre est celui-là même, bien sûr, qui est dédié à la lutte contre le cancer du sein aujourd'hui. C'est Poupette Star. Hop, le renix sa race. Oh là, regarde là. Qu'est-ce que c'est? Et cousin là, ouais. C'est quoi ça, bro? Tu me vends d'un pas côté maintenant, frère. Oh, désolé, mon frère. Attends, on la refoule dans le nez ou pas? Ah non. Casse-toi, bro. Casse-toi. Mais là, ça, c'est pas des narines que tu as, mon frère. C'est un fossé. Casse-toi, bro. Ouais, gros. La meuf, elle m'a vendu de la pas côté là. Le... Man. Mais c'est... Attends, amusement, après, Godzilla, quand tu lui donnes l'argent, et là, c'est qu'est-ce que ça? Hein? C'est pour 2000 là qu'elle a là. C'est pour 2000 qu'elle a. La femme, le ciel se fout des gens. Hein? C'est Awa. C'est parce qu'on met ça dans la musique. Après, voilà, mission, on sent là-bas. Ça n'est pas donné. Ça ne joue plus. Hein? Bah, faut donner, c'est bon, faut donner. Mais mon nez là, il n'y a pas de sort bien. Faut donner. Hé, cousine, Awa, ton maudit au carré. Ouais, son maudit au carré. En plus, c'est une épée, man. Allez, les amis, aujourd'hui, je vous balance un message de sensibilisation contre ce malade, le cancer du sein. On regarde maintenant. Wamrose. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Je viens vous parler aujourd'hui d'une chose très importante. Voilà, qui est le dépistage du cancer de sein. Alors, malheureusement, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous avons plus de 3300 nouveaux cas chaque année et plus de 1800 décès. Vous l'aurez compris, le dépistage est un moyen pour nous les femmes de plutôt détecter cette maladie, et plus c'est vite détecté, plus c'est vite soigné. Donc voilà, je profite en même temps pour vous encourager à vous faire dépister pour qu'ensemble puissions lutter contre cette maladie. Voilà, et ensemble, luttons contre le cancer de sein. Je vous envoie plein d'amour et plein de bisous. Mouah. Merci Poupette, merci Sister. Hey, Poupette, tu sais quoi, je te kiffe, hein, ton message, il était vraiment précis, concis. En plus, il y avait des chiffres là-dedans, c'est super là. Ta culture, elle est top. En plus, t'as respecté le dress code rose. Easy. Et la famille, c'est l'heure de notre vidéo du jour. Elle nous vient de la star guinéenne, Grand P. Le chanteur a soufflé une nouvelle bougie hier. Beaucoup de personnes m'ont posé la question en m'appelant. Joe, mais dis-nous, Grand P, il a quel âge maintenant? Hé, cousin, tu es ma mort ou quoi? Laisse le mec vivre sa life. Easy. On ne connaît pas l'âge de Boris, donc pourquoi demander l'âge de Grand P? Jamais je ne demanderai l'âge de Grand P. Au lendemain de son anniversaire, Grand P a décidé maintenant de vous remercier en adressant un message. Écoutez le message de Grand P. Vidéo du jour.
C'était le plus maudit dans mon tissu. Personne n'a voulu rire, frérot. Et toi, tu nous balances une musique de funérailles, frère. Pourquoi tu fais ça? Grand-père, merci infiniment. Joyeux anniversaire encore à toi. Happy birthday to you. Easy. Allez, la famille, vous connaissez maintenant le principe de cette émission-là. Tout juste après la vidéo du jour, on file tout de suite avec les pépites et la réalisatrice. Easy. Wesh. Grrr. Et la famille, je veux faire un coucou à mon frère Big Joe, DJ Big Joe de Paris. Quand je suis à Paris, toutes les fois où je passe à Paris, et le mec, il me met bien, Big Joe. Big Joe. Et frère, on arrive bientôt là. Yes, I. Allez, pépite 1, c'est une affaire de taille. Ouais. Tu sais, notre première pépite, les amis, c'est une balle perdue que Jules Beco a fait prendre à son poteau Pancho le gâteur. Je t'explique, frère. On voit des chaussures de bébé. Ouais, frérot. Et Jules Beco qui écrit en légende. Attends, Pancho même, ça fait deux jours, hein. Il est où même, vieux, là? Du genre, les chaussures de bébé, ce sont les chaussures de Pancho. Hé, cousin, je pense qu'il n'y a pas d'amalgame, là. Pancho le gâteur a passé ses chaussures à bébé sans os, j'en suis sûr. Ouais. Hé, vas-y, moi, en tout cas, j'ai la taille, hein. Donc, pas besoin de mettre ma bouche dans l'affaire de... Anyway, bref. La famille Pépite 2, c'est ce que j'ai baptisé. Hé, hey, femme. Ah, les meufs. Vous savez, les gars, si vous connaissez une stratégie pour bouffer un peu l'oseille des meufs, ben montrez-la à nous. Qu'est-ce que vous attendez? Soyez pas radins, les potos. N'est-ce pas, bro? On est totalement perdus, là. Ouais. Le mec, il dit. Il dit quoi, cousin? Tu es là? Ouais. Tu suis ton gars. Yes, I. Et tu peux rien créer. Non. Le gars te demande. Tu as 1000 francs, je vais payer le pont. Tu transpires. Ton nom, c'est 10 000. On dit, bon, faut donner. Que, hé, hey, j'ai oublié ça à la maison, hein. Frérot, moi, depuis que j'ai rencontré ma meuf, bon, mon ex, c'est là que j'ai compris un peu le système des meufs, au fait. Cousine, t'as même pas 1000 francs pour payer le pont. Tu le fais croire au mec que t'as 10 000 francs. Le mec, il te demande 10 000 francs parce que le mec, pour une fois, du pont, il accepte les 10 000 francs. Et tu lui racontes quoi? Tu lui sors quoi? Cousin, j'ai oublié mon oseille à la maison. Mais cousine, descends de ma voiture! Descends! Descends de ma caisse! Descends! On est à la télé, je me retiens. Sinon... Non, Maudia, ça va. Et puis toi, tu as boucle là, bro. Ouais, boucle là, bro. Non, ça, c'est pas balle perdue, ça. Ah, c'est au but perdu, hein. Tu la ramènes à chaque fois, ma gueule. Boucle-la. Yeah. 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 Attends, pas ton yeah. Yeah. Pépite 3, petit conseil, les amis. C'était juste pour rire, arrêtez de l'attacher, là, les frères. La troisième pépite est un petit conseil rapide pour tous les Wamiens et les Wamiennes. Wesh, wesh, ma gueule. Conseil. Yeah. Faut jamais te coucher quand tu as sommeil. Sinon, tu vas dormir, hein. Hé, hey, qui c'est ce connard là qui a écrit tout ça là? Mais on a compris. Mais... La famille, on file avec la pépite 4 maintenant là. Elle snap partout, la meuf. Vous savez, les affaires de snap avec les meufs, c'est devenu un peu comme une obsession, un peu comme une maladie, une pathologie, les amis. Hé, hey, cousin. Elle snap partout, quoi? Partout, frère. On dit, même le jour du jugement dernier. Ouais. Il y aura des filles qui vont snapper. Go, jugement validé. Direction paradis, mes loulous. Yeah! Certainement, il y en a d'autres qui vont venir avec leur chicha. Et la chicha, c'est interdit en Côte d'Ivoire, hein, les amis. Il y a même des gens qui snappent avec des cercueils de funérailles, frère. Je t'ai dit. Et où va le monde? Qui vous livre, les amis? Venez me voir, j'ai un meilleur livreur, la famille. Yeah, bro. Eh, hey, cousin. Aïe, aïe. Eh, hey, cousin, t'es on fire, là, bro. Il est on fire, le cousin. Vas-y, cousin. Pépite 5, les tueurs de cabri. Il y a des personnes qui n'adorent pas se laver. On les appelle les tueurs de... cabri. Boris, Henri, ils en font partie. Toujours un prétexte assez bizarre, Zarbi, pour se justifier. Il dit... Il dit quoi, frère? Trop se laver attire la sirène des eaux. Et puis son ami vient commenter en bas. Moi, je savais où.
vraiment. Atorta ma colo ma kwanga. Salam ala ma kwa ma kwanga. Makari 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 makusi malangwe. Jota. Oh! Et c'est qui le mec en train de râler là-bas là? Frérot, viens. C'est hey, balance lui. Hey, attends, attends. Vas-y, balancez le son à l'entrée de vos premiers invités. Bon, lui, il a l'habitude d'être ici. Et les amis, du bruit pour yeah. MC. MC Clo-Clo. Hey, cousin, vas-y, négro. Ça va ou pas? Oh, cousin. Yeah. Et récupère ton mic là, bro. Récupère ton mic, bro. Yeah. What's up, everybody? What's up, everybody? Hey, c'est bon, coupe la musique, là, bro. What's up, man? Hey, cousin, t'arrives à voir avec ça? You know, hey, I don't hear you, man. What you say, man? Tu sens le yugu-yugu, là, bro. T'es arrivé, ça a pris tout le plateau, là, bro. Yeah. Hey, cousin, habille-toi, c'est des gens de... Il y a des vêtements classe, bro. Regarde un peu ma Air Force. What that's a Air Force NG, bro. Yeah, bro. You know, man, I can't hear you, brother. You know, it's just my first time here in Ivory Coast, you know what I'm saying? So, you know, let me tell you something. You know, everybody say here. Yeah. Everybody say yeah. 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 You know, Warlick Dunbar. Yeah, you bro. Know, I just want to say something, you t'as know. T'as pas de ceinture ou quoi? Oh, le mec, il vit la dèche, bro. Yo, what you mean? What you mean, man? What you mean? Allez, vas-y, bro. Vas-y, let's go, bro. Yo, let's go, bro. Bro, can you play something? I just want to sing something, you know what I'm saying? Yo, everybody say here. Yeah. Yeah. You know, we be on the move around. Jesus. A movement yeah, bro, of children. The movement come of on. Enfants. Yeah, yeah. Bro. Let's hey. Go. Yo, yo, man, Sunday, we about to release sometime. What's happening? We can pop us on the bosom. Pay your attention. What's happening, man? But we ain't too rich. Yeah, need to for a season. Yo, yo, you know, you will shock your body. Hey, you shoot around your body. Yeah, hey, 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 hey. Yeah, come on. Elle c'est la capée où qui t'a parlé des bottes dans ton pré. Elle c'est la capée où qui t'a parlé des bottes dans ton pré. Ma main, elle a cinq doigts. En voici deux, en voici trois. Celui-ci, le petit bonhomme, c'est mon conquisteur. Regardez mes doigts travailler, ça que fait son petit métier. Brrr, brrr. Allez, j'ai perdu mon mouchoir de peau. Ici, le voilà qui s'en va. Là-bas, tout le monde, allez, courez, hey, sautez, you, et le ramassez. Hey, hey. Allez, la dernière. Maïmouna et Maïmouna, yeah. Kele, Kele, Maïmouna, Kokorobana, Koromike, Demsemina, Koroko, Afile, Lata, hey. Allo, Roulotto, Zazaza, à San Francisco, Zazaza, Adem Soloni, yeah, yeah, yeah. Yezi, bro. Yo. Cousin, vas-y cousin, à la classe, on est content de te recevoir là. Ouais, ça fait plaisir frère. Yeah, allez cousin, vas-y là, ça tu va, parles vas-y, plus anglais. Chaud. Allez vas-y, lance l'info buzz là, allez vas-y, regarde chaud, la caméra et vas-y. Info. Info buzz frère. Bro, I can hear you French man. Breaking news, yeah French man, let's go bro B. Ah yeah, réalisatrice. Je pense qu'on va permettre à la réalisatrice d'apprendre un peu l'anglais, elle est trop restée dans le BT. La réalisatrice, Maïs, il faut que hein. Le vieux Ménécré fait taire les fausses rumeurs. Bon, là, j'ai parlé bon. Hein. Bah, là. La fake news, vous savez, c'est très vite répandu sur la toile. Hier, en fin d'après-midi, certaines pages ont annoncé le décès du vieux Kadi Célestin, alias le docteur vis-à-vis, alias vieux Ménécré. En tout cas, il n'en était rien de tout cela. Pour démentir même cette fausse nouvelle, le vieux Ménécré a fait une vidéo depuis le CHU de Trècheville où il se trouve actuellement. On vous montre un extrait. Regardez. Des habitants d'Abidjan. Voilà. Je vous remercie et je vous salue vous tous. C'est pas pour rien qu'on cherche ou à un homme que les gens parlent de lui en proche. C'est ça. Ça dépend de son éducation, ses comportements et son. Ça a une. Aujourd'hui, tu vois, il n'a pas riche plus que tout le monde dans le monde. Mais un homme que Dieu lui a accordé d'être aide de ses bras. Ah,
Ah, le vieux, on est content là. Ah ouais, wesh, wesh, wesh. Le vieux, on est content. En tout cas, voilà, le vieux Mène est très bel et bien vivant. On prie Dieu, en tout cas, pour qu'il recouvre très vite la santé. Et on lui envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de force. On a même prévu une émission avec le vieux et on va la faire, cette émission-là, avec le vieux, n'est-ce pas? Inch'Allah! Bravo, si c'est chèque. Oh! Hey, cousin! Attends, tu as encore perdu un cousin, de diamant, gros! Ouais, j'ai perdu le diamant de ma bague, là, frère. Attends, tu perds que des diamants, gros! Je te jure, cousin. C'est la meuf, là. On va mettre ça. Non, tu me donnes ça. Tu me donnes ça. Ouais. Ok. Ouais. Tes diamants, là aussi, on dirait caoutchouc un peu, de façon. Ah ouais. C'est flaque-flaque, hein. Arrête, frère, arrête. On te retourne dans ton bled, frère. Allez, on poursuit l'info buzz avec, très chers amis, des nouvelles de notre champion olympique de taekwondo, Cissé Cheikh Sala. Et les nouvelles sont plutôt bonnes sur les réseaux sociaux. Le taekwondo in, a annoncé une nouvelle médaille à son palmarès. Cissé Cheikh a participé au dernier Open de Riga en Lettonie. Et l'éléphant a remporté la médaille d'or dans la catégorie des plus de 80 kilos. Une fierté pour le milieu des arts martiaux ivoirien et puis africain aussi, bien sûr. Cette médaille-là est de bon augure pour le taekwondo ivoirien qui espère de nouvelles médailles aux prochains Jeux olympiques de Paris qui auront lieu en 2024. Et puis bon, vous là, je vous préviens aussi que si c'est chèque, c'est mon ami. Donc vos manières de me parler tout le temps, ouais, je sais pas, tu allais avoir cheveux ou tu allais avoir babou ça là. Arrêtez ça. Sinon, il y a le téléguide sur vous. À bon entendeur. Merci. Tina Glamour nous testait. Beaucoup se demandaient ce qui se passait encore avec maman Lady Glams ou encore Tina Glamour, la Dja. Après l'un de ses posts sur Facebook, hier, la mère de DJ Arafat a fait une publication assez étrange sur Facebook. Elle a écrit, je cite, « Je ne veux plus avoir affaire à qui que ce soit, désormais. Vous m'agacez, adieu. » Bon, à la vue de ce message, beaucoup se sont posé des questions et certains se sont inquiétés pour celle qu'on appelle la mère de la Chine. Bon, Dieu merci. Peu de temps plus tard, l'artiste est revenu sur ses propos. Elle a mis en ligne une jolie photo d'elle avec en légende « Je vous ai testé. » Belle et loup. Beaucoup souhaitaient en tout cas ma mort. Ok, que Dieu vous bénisse. Bon, belle et loup, c'est moi qui ai ajouté ça. Maman, pardon, faut plus faire ça. Tu nous as effrayés. Nous qui t'aimons là. C'est-à-dire, quand tu dis des choses comme ça, nos cœurs là, ça bat plus fort même que nos villas. Voilà, pas fort. Ah, ça t'a bombé, belle et loup. En tout cas, on ne veut pas que tu aies des problèmes, maman. Franchement, encore moins que tu nous quittes. Voilà. Et s'il te plaît, il ne faut plus faire ça à cause de Dieu. Tu es notre maman et notre maman chérie encore. Maman la plus jolie. Maman la plus mignonne. Jean Gospel. Jean Gospel. La plus jolie. Oh maman, oh, oui. Tu es la plus chamane, devenu grand, je serai là pour toi maman, mais c'est pas tous les jours, devenu grand, tu devras plus souffrir, pas une femme me fait souffrir derrière la maison, bisous maman. Voici la liste de la dot de Keïna. Pour ceux qui ne le savent pas, la star de la rumba congolaise Fally Ipupa est le père d'une jeune fille qui s'appelle Keïna. Pour informer les éventuels prétendants de Keïna, Dicap la Merveille a publié la liste des éléments à fournir pour doter la belle Keïna. Et franchement, tu es fan de Keïna, mon frère. Faut attacher ta ceinture. Voilà ce qu'il faut pour rentrer chez toi avec elle. Ah, Fally Ipupa Dicap la Merveille. Ah, Tokos, original. Allez, tu es fan de ma fille. Voici la liste pour la voix. David Monceau, le plus frais. Ah, 50 iPhone 14 Pro Max. Ouais. 50 paires de chaussures Weston. Aïe, aïe. 5 Jeeps Mercedes. Tiens. 2000 chèvres. Hein? 1000 pagnes wax hollandais. Yeah.
1500 foulards, 300 cartons lampes lucioles, 20 écrans plats, 100 pouces, bien sûr, marque Sony, 150 cartons de machettes, je ne sais pas pourquoi, 250 cartons de savon, couteau de poche, 50 000 euros en espèces. Attends, coupez. C'est pour faire campagne. Je ne sais pas, mais... Le vieux Fally. Avant que la clim ne s'éteigne, et puis maintenant que Diombo qui est mis sur ma tête là ne coule. Le vieux Fally, oh, Yedio. Ah, c'est là la Real vient faire gros plan encore. Le vieux Fally. C'est pas mieux. On va aller dans le monastère, on va devenir prêtre. Hey, donc, comme c'est son enfant là, moi je ne sais pas. Hein. Ah, vieux. On peut rien dire. Hein? Ah, on dit quoi? C'est même, son enfant ou? Même campagne d'élection, on ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. Non, avançons. Allez, la famille, on poursuit maintenant avec ce que vous mangez à midi. Bien, c'est, je ne sais pas, en tout cas, s'il nous a balancé un jingle, ben, on s'en fout. Apoutou sans filtre, c'est une nouvelle fois invité à la table d'un Wamien, à la table du roi. Il est en compagnie de Landry pour une, non pas blessing, mais un Landry pour une sauce Baouin, nouvelle version. Tu manges quoi ce midi-là? C'est tous les mercredis dans Wam et c'est maintenant avec Fabrice Indé. Bonjour à tous, comme vous le savez, chaque mercredi, je me rends chez vous, les Wamiens et les Wamiennes, passionnés de cuisine pour qu'ensemble on puisse concocter certains de vos plats préférés. Et ce matin, j'ai rendez-vous avec Landry, qui est un passionné de cuisine. Il va nous proposer une recette de Baouin revisité qu'on va accompagner de riz à la citronnelle. J'ai déjà hâte. Allez, venez, on y va. Bonjour Fabrice. Bonjour Landry, comment tu vas? Oui, ça va, bienvenue. Merci beaucoup. Je suis avec les proches. D'accord. Elle, c'est Rosine Angras. Okay. On a une grande amie à moi qui s'appelle Marie-Dominique. Elle, c'est Rima et Mackenzie. D'accord. Et souvent, quand il fait le faux pas, vous lui dites? On lui dit. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Il s'améliore au contraire. Il n'a même pas intérêt. Voilà, parce qu'il est très minutieux quand même. D'accord. Justement, on va vérifier son côté minutieux là, en cuisine. N'est-ce pas, Landry? Vraiment. Ok, donc on se voit tout à l'heure pour la dégustation. Aujourd'hui, je t'envoie chez moi. D'accord. Chez moi, on mange le Baouin. Le Baouin est un plat atypique de la région du Cavalier. D'accord. Ce que nous allons cuisiner aujourd'hui avec des crustacés et du poisson. Pour faire notre Baouin, déjà, il faudra des noix de palme qu'on aura au préalable cuites, pilées, extrait le jus. On a bien sûr besoin du Baouin qui sont les feuilles de manioc, des crabes, des crevisses, du poisson frais, de l'adjuvant. Du piment frais, du poivron vert, de l'oignon. Notre baouin sera accompagné du riz à la citronnelle. C'est vraiment excellent. J'avais déjà mangé le baouin, mais avec l'ambiance, il y a toujours quelque chose de nouveau. On sent un léger sucre, voilà, salé. Voilà. Parce que justement, il y avait du sucre aussi là-dedans. Oui. Ouais, du sucre. Oui, on a mis du sucre dans le riz, à la citronnelle. Bah écoutez, les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Nous, on continue de déguster. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre Tu manges quoi ce midi. Allez, au revoir. Merci la famille, merci. Et la famille, pour info, je tiens à vous préciser, la famille, que vous avez la possibilité, bien sûr, d'écrire sur la page Facebook en inbox et demander aussi à Poutou sans filtre
Désormais, le Coco National doit venir vous rendre visite le mercredi prochain pour voir ce que vous avez dans votre assiette, ce que vous mangez chez vous à la maison. On marque une petite pause derrière le mouvement des enfants avec tous les enfants là. Il y aura Doupi Papillon, il y aura Nukuloba, il y aura aussi bien sûr, l'Estétois. Et puis il y aura sans oublier notre très cher Touma Lewé. Ils seront nombreux à tout à l'heure. Skrrr. Et hop! Avion, voilà. Cousin, ça va ou pas? Et les esprits, ça va? Et la famille, c'est le moment maintenant de recevoir mes amis du midi. Aujourd'hui, c'est le mouvement des enfants. Jingle. Brrr. Allez la famille, c'est le moment maintenant de recevoir mes amis. On va rentrer maintenant dans le mouvement des enfants, le mouvement du moment. Tout le monde en parle et ses plus dignes représentants sont dans ce studio. On reçoit maintenant Doupi Papillon, Nukuloba et Touma Lewé. Ça va cousin? Ça va grand? Ça va grand? Ça va fils? Ça va fils? Et les amis? Et viens, Touma, viens, assieds-toi là, viens. Et du bruit pour mon fils Touma Lewé. Vas-y. Touma, ça va ou pas? Ouais, ça va. Allez, vas-y, c'est ta place là, Touma. Ah, j'adore ce garçon là, Touma. Il est extraordinaire. Touma, ça va? Tu fais quelle classe déjà? Je suis en troisième. Allez, en troisième, Touma. Du bruit pour Touma Lewé. Allez. Eh, Negro. Negro. Ça va, cousin? Ça va. T'as vu, ils sont là aujourd'hui. Nukuloba en blanc. Et puis Doupi Papillon en noir. Yo. Allez la famille. Vas-y cousin, coupe tout là. Merci cousin. Allez les gars, ça va ou pas? Ça va bien. Allez gros. Oh, quel plaisir de vous avoir sur le plateau. Les amis, vous m'avez montré qu'on peut être vieux, même si je ne suis pas vieux, et puis être dans le mouvement des enfants. Allez, présentez-vous à l'état civil, ça donne quoi? Et puis pourquoi vous avez pris ces sobriquets là? Ah, vas-y, on commence par toi, Nukuloba. C'est ton vrai nom ou bien le Nuku, il vient d'où? Le Nuku, c'est le nom que ma grand-mère et ma mère m'ont donné. Ah, d'accord. Yeah. Et Loba, c'est le nom de famille? Oui. Mais les autres prénoms? Yann. Yann. Et on applaudit pour Yann, s'il vous plaît. Yann. Le Y-A-N-N. À côté de toi, on a Doupi le papillon. Ouais, papillon, vole. Papillon, vole. Bien, si tu ne sais pas voler, les oiseaux vont t'attraper. Ouh. Et cousin, ouais, je suis seul au monde là. Allez, vas-y, Doupi Papillon. Bon, moi, à l'état civil, c'est Kevin Cissé. Kevin Cissé, ouais. D'accord. Ouais, du bruit pour Kevin Cissé, s'il vous plaît. Ouais. Et puis, Touma, là, ouais, c'est quoi ton nom à l'état civil, Touma? Ouais, mon nom à l'état civil, c'est Oussou Lionel Christ Famille. Oussou Lionel Christ Famille. Yeah, easy. Ouais. Alors, les amis, vous êtes maintenant devenus de véritables stars, tous les jeunes, même les plus vieux qui veulent devenir jeunes, tout ça. Et il ne jure que par vous aujourd'hui. C'est quoi le mouvement des enfants? Qui prend la parole là? Bon, ouais, Nuku. C'est un mouvement, on est dedans. C'est un mouvement, on est dedans là. Ouais. Mais c'est quoi le mouvement, on est dedans là? Dis-moi. C'est le Maïmouna. Le Maïmouna. Ouais. Maïmouna, remontez ou bien c'est quoi? On remonte toujours. On remonte toujours. Oui. Yes, I gros. Et le mouvement des enfants, ça consiste à quoi? Parce que beaucoup de personnes pensent que le mouvement des enfants, c'est quand tu viens et puis tu. Ce qui n'est pas bon du coup, on est contre ça. Ou bien quand tu viens, tu fais des imparties et autres. C'est quoi véritablement le mouvement des enfants? C'est une façon de vivre? C'est un bon-i que vous avez créé? Dites-nous un peu plus. Ouais, c'est un bon-i, mon vieux. C'est un bon-i? Oui, c'est une façon de vivre. On s'ambiance, on s'amuse, c'est tout quoi. Ouais. On fume pas, on boit pas. Vous fumez pas, vous buvez pas? Non. Ouais. Non, non, non. D'accord, mais vous avez des petites meufs quand même, les gars? Ah ça, vieux. Ah ça, les parents les regardent en ce moment, ils n'ont pas intérêt à dire quelque chose. Tout bas! Dis-moi, t'as une petite chérie ou pas? Non, viens, non. Hé, Touma, dis-moi la vérité, frère. T'as une petite chérie? Non. Mais t'as des petites qui sont un peu fond de toi? Ouais, viens, tu vois. Léger, sur le côté. Sur le côté, yes, bro. Et le mouvement des enfants t'empêche pas de partir à l'école, Non. Cette année, tu me promets quoi, le BPC, non? Ouais, viens. Touma, si t'as le BPC, tu veux que je t'offre quoi? Dis-moi. Mais c'est que tu veux. Ce que je veux. Ouais. Mais vas-y, dis quelque chose, frère. Bon, je vais montrer l'argent. Tu veux quoi? L'argent. Maintenant, il est intelligent. Hein. Et Touma, devant toute la nation, je te mets au défi. Tu as ton BPC. Je t'offre un jet. D'accord, vie. Je t'offre un jet. D'accord, je te challenge. Maudit, il y a des combien. Bon, je t'offre un jet. Tu as ton BPC, je te donne 5 Togo. Ok, il y a pas de soucis.
Viens. Et là, c'est pas qu'on est à la télé. Il va attendre 5 euros comme ça, ta photo. Elle est 50 000, il lui dit non, après, même là. Toute la nation m'a entendu, c'est pas grave. Tout bon. Alors, les amis, ça passait par quoi exactement? Le mouvement était lancé par quoi? Par Didi B, par des rappeurs, dites-nous tout. Ça a été lancé par qui exactement, le mouvement des enfants? Le mouvement des enfants a été lancé par 3X Dave. D'accord. 3X Dave? Ouais. Ok, c'est un rappeur. Ouais. D'accord, ok, ça marche. Je pense que là même, on a aussi des rappeurs qui sont là. Celui qui va venir maintenant, puisque vous êtes là, vous restez avec nous ici, celui qui arrive maintenant est certainement le plus méchant des méchants d'Abidjan. Il s'est fait connaître sur les réseaux sociaux avec une série de freestyle. C'est mon gars, Samuel State. Oh, oh, oh. Hey, show. Samy, show, cousin, show. Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Ça va, gros? Ça va ou pas? Ça va, cousin? Ça va. Nickel, nickel. Ça fait plaisir de te voir, là. Samuel, c'était toi. Ouais, parle-moi un peu de toi, là. Ouais, c'est moi. À l'état civil, c'est quoi? Nando, Nando, Chris. Nando, Nando, Chris. Hé, hey, on peut faire une chanson avec ton nom. Nando, Nando, Chris. Hey. Nando, Nando, Chris. Chris. Bon. Aïe, yeah. Samuel, c'était toi. Ouais, je le kiffe, ce mec-là. Et tu pars à l'école aussi, on m'a dit. Oui, oui. En quelle classe? Tu bon, fais quoi? Je suis étudiant. Je suis en licence 1. En licence éco. Science éco, ça s'applaudit, cousin. Alors, la famille, vous allez comprendre pourquoi est-ce que tous ces jeunes sont là. Généralement, quand vous les voyez sur les réseaux, tout ça, vous pensez que ce sont des enfants qui n'ont rien à faire de leur vie et autres. Ils savent s'amuser, mais ils savent aussi l'importance de l'école. Ils vont tous à l'école pour la plupart. Il y en a d'autres aussi qui sont... Ils sont tous de bonnes familles, familles modestes, tranquilles. Et des familles aussi qui leur inculquent certaines valeurs. Mais ils font des choses de leur âge, de leur jeunesse. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents quand vous les voyez. C'est juste un mouvement, quoi. Comme nos vieux pères aussi, avant, ils ont fait le mouvement de breakdance et tout ça. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents envers eux. Allez, bro, on va te laisser faire un petit quelque chose ici, maintenant. Hein, Samuel, c'est toi. Tranquille, tranquille. Allez, tranquille, là. Tranquille. Wesh, 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 ma gueule. Hé, hey, Régis, balance le son de Samuel, c'est toi. Let's go. Un. Yeah. Hey, j'attends tout ou pas. Ah. Wow, c'est le nouveau. Dis-moi, dis quoi, ça dit quoi? Hey. Clemson on the beat. La mafia, Akima, Akima. Ça va dégainer là, ça tombe une porte. Ici c'est pour toi, wow. Akima, Botana, Akima, Akima, Botana, Akima, Botana, Akima, Akima, Botana. Tu dis là avec les tétois, t'as capté ou pas? Akima, Botana, comme jamais. Allez, je te vois un peu comme sur internet là, vas-y, là, fais-nous quelque chose là, comme sur internet, ta cousin, vas-y. À la base, on a commencé au quartier, maintenant je passe à la télé, les fils de pute, je sais que tu me regardes. C'est toujours les tétois, ils cartonnent toujours. Cousin, 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 tu vois, après, il y a des mots après qui sont. Laisse tomber, laisse tomber, il faut bannir certains mots de ton vocable là quand tu viens à la télé, cousin. Tu sais, on est tous des négos.
Ouais, à un moment donné, après, il faut faire un vas-y, blé, d'accord, tranquille. Allez, tranquille, wesh, wesh. Hé, cousin, coco dit toujours. Toujours. Allez, bro. Allez, on se retrouve tout à l'heure, là, cousin. D'accord, pas de soucis. Allez, je pousse la discussion encore avec les autres. D'accord. Allez, du bruit, s'il vous plaît, pour Samuel, c'est toi. Bah, hé, cousin, tout à l'heure. Merci. Merci. Alors, les gars, vous avez kiffé ou pas? Ouais, c'était il fait partie aussi du mouvement des enfants, non? Méchant, méchant. C'était toi, vieux. Ah, c'était toi, ouais, ouais. Hé, Samuel, c'était toi. J'adore, je kiffe, là, frère. Allez, Thomas, ouais, comment tu as trouvé le son? Ouais, viens, tranquille. Il est fou à sa manière. Thomas dit les fois à sa manière. Mais non, le kiffe en tout cas, voilà. Allez, les gars, ouais, pour faire partie du mouvement des enfants, ouais, il faut quoi? Il faut du style, il faut porter des belles paires de baskets comme vous. Hein, c'est quoi? Dites-nous tout, les gars. Vieux, en tout cas, faut t'adapter. Ouais. C'est ça, faut suivre le rythme, c'est tout. C'est quoi le rythme, en fait? Le style, tout ça, peut-être, t'as pas porté. Bon, attends, moi j'ai un méchant ici. Viens, cousin, ramène-toi. Là. Viens, la classe. Allez, du bruit, s'il vous plaît, pour Yann MC. Allez, vas-y, cousin, marche. Alors, lui, comment tu le trouves? Il est bon ou pas? Ouais, c'est bon, c'est bon. Nickel. Ça, c'est pas, ça, il risque de tomber parce que là, il voit rien, mais il est dedans. Lui, c'est un stétoir. C'est un stétoir, apparemment. Allez, les gars, je marche, là, dites-moi. Hein. Cousin. C'est le mouvement des petits là. Hein? C'est le mouvement des petits là. C'est le mouvement des petits là. Oh, ça. Il y a ça, tu prends les jeans de ton grand frère et tu potes. Allez, Thomas, ça t'arrive souvent de te cacher pour sortir un peu? Ou bien non, tu demandes toujours la permission non, à maman? Ouais, ouais. Est-ce que tu peux faire un message à maman ici? Regarde cette caméra là. Regarde, regarde là. Ah, tu vois, là. Tu vois, numéro 2 là. Dès que ça s'allume rouge net en même temps. Tu parles là, voilà, vas-y. Cause, dis salut maman. Salut maman. Cette caméra là, ici, regarde. Salut maman. Ouais. C'est tout. Ben laisse un message à maman ou Thomas. Elle a rien, c'est qu'elle est fière de moi. Quand elle te voit à la télé, elle dit quoi? Ça part. Ben, elle est contente. Ouais, elle sera contente. Et pour venir ici, non, tu lui as dit quoi? Tu as dit quoi à maman? T'as demandé quoi à maman? La permission, c'est quoi? Bon, c'est Anoukou qui l'a appelé. Anoukou, c'est toi qui appelles à maman pour qu'il. D'accord. Et maman a dit quoi, Anoukou? Elle a dit, pas de problème. T'as pas de problème. Souvent, les gens, quand ils te voient, ils disent non, mais lui là, il va pas à l'école, lui là, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois ça souvent sur Internet? Ouais, vieux. Voilà, ouais. Mais maman a dit quoi quand c'est comme ça? Bon. Elle te donne des heures pour rentrer? Ouais, elle me donne des heures. Souvent, elle me dit pas les répondre. Si, si. Mais elle kiffe ce que tu fais. Ouais, tu. Tout Maloué, on adore pour tout Maloué. On applaudit pour lui là, tout bon. Allez, Thomas, dis-moi, t'as un méchant, bien, t'es juste dans le mouvement des enfants. Non, je veux pas, je suis juste dans le mouvement des enfants. T'es juste dans le mouvement des enfants. Ouais. Tu rappes? Non. Mais tu danses un peu? Ouais, léger. Bon, d'accord, on te met en tout, tu vas danser un peu là. Viens ici, Thomas. Ah, oui. Du bruit pour Thomas Lewé, s'il vous plaît. Thomas Lewé, du bruit pour lui, les gars. Allez, mets-moi un beat là-bas, méchant pour les enfants, s'il te plaît. Allez, Thomas, viens ici là. Au pire, si à la région, on a dû à Zalaka, Pinou. Allez, Thomas. Allez, vas-y. Un beat. Un. Attends, ça vient. Thomas, le way. Thomas, le way. Thomas. Thomas, le way. Thomas, le way. Thomas, le way. Thomas, ça roule. Ça bouge. Thomas, le way. Allez, Thomas, vas-y, ça bouge. Là. D'être avec nous sur mon plateau ici, il y a Anoukou là-bas, Doufi Papillon et puis tout malheureux aujourd'hui, c'est le mouvement des enfants. Allez la famille, je vais faire venir deux personnes qui ont travaillé sur cette émission là, vous avez vu certainement mon style. Eh ouais cousin, les gars, c'est comment mon style là? Vous me donnez combien sur 10 Touma, mon style? 8. 8, merci. Doupi 8,50. 8,50, merci. Nuku. Moi, je m'en donne 9. 9, merci Nuku, ouais, merci les gars. Je vais appeler celle-là même qui a mis des cheveux sur ma barbe. Bon, en tout cas, qui m'a donné une barbe. C'est une meuf qui a dit que j'aime les gars barbus. Hé, hey, cousine, Madjene, viens ici. Du bruit pour Madjene, s'il vous plaît, Madjene. Madjene, ça va? On dit quoi, ça va? Ça va très bien. Madjene, parle-moi un peu de ton business, tout ça. Tu fais des...
Vas-y, tu es maquilleuse professionnelle? Ouais, je suis maquilleuse. Mon nom, c'est Jomandema Djeneba. Ouais. Je suis maquilleuse cinéma. Ouais. Et je fais toujours le maquillage. C'est si, c'est un peu... C'est naturel, en fait. Si, si. Ce sont des cheveux pour paraître vraiment vrai. Ouais. Et puis, en dessous, il y a la colle. Si, si. Après, quand on va enlever, ça va être douloureux. Mais tout bon. D'abord, il faut faire un tracé de crayon avant de mettre la colle et puis mettre les cheveux naturellement. Donc, ça donne du vrai. C'est un peu ça, mon travail. Et c'est tellement vrai, je vais vous demander d'applaudir celle-là, s'il vous plaît. Madeleine, merci infiniment. Ta page Facebook, c'est quoi? Et c'est Madjeneba Maquilleuse Jomandé. Voilà, aussi sur Instagram. Oui. D'accord, Madjeneba Maquilleuse Jomandé. Madjeneba Maquilleuse Jomandé. Madjeneba Maquilleuse Jomandé. Merci infiniment. Tu donnes le micro au gars qui a... Le rose jaune. Hey, viens, cousin, viens. Voilà. Ça va, cousin? Allez, lui, c'est mon coiffeur. Bon, il n'a rien enlevé sur la tête, mais il a juste apporté quelque chose d'original. Voilà, cousin, parle-nous un peu de ça. C'est du yombo, c'est quoi? Non, ça, c'est du teinture vraie, au fait. C'est de la teinture vraie? Ouais, c'est de la teinture vraie. C'est ça. Et après, ça quitte en combien de temps? Après quoi, 2 semaines. Seigneur Jésus. Tu laves régulièrement, ça peut partir. Donc, ça a resté comme ça, ma tête, tu vois. Ouais, c'est juste ça reste. Ça... Et puis, pourquoi tu m'as pas dit? Bah, toi, tu t'appelles comment? Moi, mon nom à l'état civil, c'est Guibé Kwame Élisée. Guibé Kwame Élisée. Ouais. Et ton nom de coiffeur, c'est? Mon nom de coiffeur, je travaille dans les salons d'Hubert, la puissance. Hubert, la puissance. Hubert, la puissance, donc, qui est aussi le producteur et ami de notre très cher ami, grand Simon Mario. Simon Mario. À qui on souhaite un prompt rétablissement. Méchant, méchant aussi. Merci infiniment, mon ami. Merci beaucoup. On va l'applaudir très fort. Voilà, donne le micro là-bas. Yes, I. Et les amis, est-ce que vous avez des projets en tant que méchant, méchant qui se préparent en ce moment, les gars, en tant que dans le mouvement des enfants? Il y a des sons à venir, il y a des concepts? Oui, il y a des sons, il y a des concepts. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui vont venir, mais ça, on ne peut pas ça dans l'ombre. Si, si. Ça vient peut-être en décembre, on va voir. Ce qui est sûr, ça a chauffé. Si, si. Et puis on dit aussi que sans vous, on ne peut pas allumer la télé. N'est-ce pas? Viens, en tout cas, nous, on allume. Allumer la télé, au fait, c'est un concept. Quand tu es là comme ça, tu viens, tu as un peu de sous que tu vestes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, non. Mais c'est quoi, alors, allumer la télé? Donner la visibilité. Donner la visibilité. Peut-être à tes sons. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est un truc comme ça. Sinon, c'est pas jeter l'argent. C'est pas jeter l'argent, c'est donner juste de la visibilité. Ouais, ouais. D'accord, mais chez nous, en tout cas, dans mon quartier, on a transformé ça en jeter là, allumer la télé. Et on va allumer la télé donc sur des personnes qui nous font, bien sûr, l'immense plaisir et une grande confiance en nous envoyant donc leur programme. Et dans cette émission-là, c'est maintenant le moment de l'agenda. Let's go, jingle. Programme de prière de la MDIBAS. La Mission Divine Internationale des Bâtisseurs de l'Armée du Seigneur, MDIBAS, dirigée par le révérend prophète Sylvain Conan, vous invite à un programme. Les samedis 15, 22 et 29 octobre 2022, et le samedi 5 novembre 2022 à l'hôtel Bellecote de 16h à 19h. Thème, reconnaître les symptômes des envoûtements, des sortilèges et les vaincre en Christ. La MDIBAS invite le corps du Christ et même les non-croyants à participer massivement à ce programme de délivrance et de restauration qui va se tenir sur 4 samedis. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Allez la famille, on file tout de suite avec un autre gars aussi qui fait partie du mouvement des enfants. Lui, il nous vient de Bingerville. Sa chanson est très vite devenue un trend sur le réseau TikTok. On accueille ensemble, s'il vous plaît, Tazbo. Hey, Tazbo, ça va ou pas? Ça va? Allez, Tazboy, parle-moi un peu de toi rapidement. Qui est Tazboy à l'état civil? L'état civil, c'est Mickaël Samio. Ouais, reste tranquille, cousin, viens. Ouais, voilà. Tranquille. Non, tranquille, face à la caméra, s'il te plaît. Regarde la caméra et tu parles, ok? Hein? Nickel, vas-y. À l'état civil, c'est Mickaël Samio. Ouais, Mickaël Sanou. Samir. Samir, d'accord. Et tu vas à l'école? Ouais, je vais à l'école. En quoi? J'ai eu mon bac cette année. Ah ben bravo, super. Et là, tu aimes la musique aussi? Ouais. D'accord, on te donne 1 minute de chant, ok? Let's go, vas-y, 5, 4, 3, 2, 1, balancez le son de notre très cher. Go! Ah. Tu vas chier les dents, chier les dents. Eh, ferme des gros, Wakala, c'est moi tu caches de les dents. 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 J'ai dit maintenant qu'on va m'éléguer, on va tout faire. On va vivre à million, on va tout faire. On va m'éléguer, on va tout faire. Je vais te faire un peu de temps.
Et la famille, je tiens à préciser qu'ils vont, ils sont pour la plupart, la grande partie, des étudiants ou des écoliers. Et avant de venir ici, ce ne sont pas des gars qui ont fui les cours. Ils sont très disciplinés, ils sont très assidus à l'école. Ils ont juste eu la permission. En plus, aujourd'hui, c'est mercredi. Et mercredi, on sait que souvent, dans notre système éducatif, c'est aussi jour, classe, cool, au milieu de semaine où il y en a qui n'ont pas cours. Voilà pourquoi ils sont là aujourd'hui. On a mis donc cette émission-là, Mouvement des enfants, à mercredi. Ils n'ont pas séché les cours, ils ont eu des permissions. On applaudit pour ça, s'il vous plaît. Merci. Allez, Tass Boy, ouais, je te donne donc la primeur de faire venir le prochain. C'est un 3. Tu le connais forcément, il est dans le Mouvement des enfants aussi. Voilà, 3X. 3XT. 3XT yeah. 3XT yeah. Allez, 3XT, comment ça va, cousin? Allez, prends le... Allez, allez, tec-tec le mic. Merci encore, Tass Boy. Merci infiniment, Tass. Merci. Du bruit pour Tass Boy, s'il vous plaît. Hey, 3XD, comment tu vas? Oui, je suis là. Yeah, mais attends, t'es bengiste ou pas? Tu viens de Beng, toi? Non, moi, je suis calé à Babi. Ah, ben Joe, quand il chante, t'as l'impression qu'il vient de Beng. Non, ouais, c'est ici. Ouais, Tass, l'état civil, ça donne quoi? Kwasi Hans David. Kwasi Hans David. David. H-A-N-S. D'accord, tu vis dans quel quartier? Angré Château. Angré Château. Si, 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 si. Moi, j'ai une pote qui est à Angré Cité des Arts, pas loin. Allez, allez, 3XD, pourquoi 3XD? 3XD, c'était un nom il y a longtemps. Ouais. Tu vois, et puis maintenant, on est rentré dans le mouvement. Le mouvement des enfants. Et puis c'est resté en même temps. Il ne faut pas en changer. Et puis bon, ça, c'est pas moi, tu vois. Si, si. Donc c'est resté en même temps. D'accord, ça marche. Allez, tu as un son aussi qui est très bien connu. Ouais, beaucoup en de sons. Oui, mais il y a un aussi en feat avec. JR. JR, ouais. Oui, et puis il y a un prochain qui arrive. Là, qui arrive c'est encore. Pas bon. Hein. Là, c'est pas bon. Hein. Allez, ah, ja, 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 bi, 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 l'éléphant, fin, fin des mots. Mo caché, chéri coco, chéri coco. C'est toi le créateur du mouvement des enfants non, en plus. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Allez, 5 à 3, 1, 3, X2, go! Les amis, on va bientôt se dire au revoir. Est-ce que vous avez des messages respectifs, nous Koloba? Regarde cette caméra en haut là. Ouais. Est-ce que tu as un message de fin pour tous tes amis, pour tous tes potos, les membres du mouvement des enfants? Merci pour le soutien, les gars, on est ensemble. Ensemble. Et toi, Doupi? En tout cas, moi, c'est merci à tous ceux qui sont avec nous ouais. Depuis le début. Ce qui est sûr, en ensemble. Toujours. Brah! Tout malheureux, tu as quelque chose à dire à tous tes amis? Ouais, merci à tous les gars qui me soutiennent. C'est le moment qui est là. On est déjà ensemble. On est ensemble, si, si. Allez, toi, XD, quelque chose à dire, regarde là-haut là. Ouais, c'est juste dire merci d'avoir Live TV et puis merci à toi. Doupi Papillon, ouais. Nokoloba, tous ceux qui soutiennent le mouvement, vous savez. Si, si.
On ira loin en tout cas. Si, si. Merci encore Yann Bana MC. Merci à Willy l'araignée au piano. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission aujourd'hui. Merci à la réalisatrice et à toute son équipe, la réalisatrice. Donc, bisous, bisous. Et puis surtout, n'oubliez pas, le mouvement des enfants, c'est pas du banditisme. Le mouvement des enfants, c'est juste un mouvement, c'est par rapport à l'âge. Mais quand ils vont grandir demain, ils seront dans les sociétés, ils seront en train de construire les châteaux. Et puis, il y a d'autres enfants qui vont venir faire aussi d'autres mouvements. Sur ce, ça a été couvert en haut et en bas. Et ici, la famille, ça se passe dans le froid.